toi. C'est fou ces petits trucs maintenant qui... Et de rassembler... Monsieur Manger va prendre une dédicace aussi. Bien sûr. Mais ça, comme ça, je vais savoir ce que Bilal pense de moi. Attention, là, je vais te présenter comme président du comité de soutien. Oui. J'ai fait, je viens de faire une déclaration à mon ami. C'est ambigu. Non, mais quand tu soutiens tout le monde, tu soutiens personne. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, Amélie, bonne campagne. Bah, merci, Gilles. Gilles Dublin, les uns les autres, ça finira par se savoir. Alors, quel est votre nom? Non, 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 je ne connais pas très bien. Je découvre le monsieur. Alain? Je rends ses fils devant l'éternel. On peut dire ça? Oui, mais je pense qu'il intéresse le plus en circonstance. Ça, c'est uniquement le respect, c'est duré, ça. Je ne sais pas. C'était question peut-être de reporter d'un an. Ça ne serait pas un cadeau. Non. Mais je crois qu'ils sont canués. Et c'est plutôt pour les agios territoriaux qui vont décaler. Ils vont réétudier la question. Ah. Ils sont majoritaires. C'est pas facile les élections locales quand on a ses amis au pouvoir. Enfin, est-ce que les décisions à loin sont des décisions extérieures encore en ça fait des années et des années qu'on se raconte des histoires. Et qu'on joue les prolongations. Je crois qu'on en est où. Il y a des vraies réformes à faire. Notamment de basculer les cotisations sociales. Moi, je suis pour l'allègement des cotisations d'assurance. Allocation familiale, parce que qu'est-ce qui justifie que pour financer la politique familiale, on doit jeter du travail. Donc on n'était pas en économie mondiale, ça ne posait pas de problème. Mais aujourd'hui, on a opposé les consommateurs et les producteurs. Donc ceux qui mettent sur le marché pour être les défenseurs des consommateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent ailleurs, pour délocaliser les activités. Alors, moi qui suis un petit consommateur, qui m'intéresse. T'as l'ordre des communes, c'est des choses qui sont la dimension de ma perception. On a une difficulté à mettre en œuvre. Regardez ce qu'on parlait de à la fin de la patrimoine, savoir ce que vous pourrez mettre en œuvre, dans un certain nature, comme décision, comment, à la limite, on aura une vision, alors je ne sais pas, parce qu'il m'a parlé de l'avenir, mais bien s'il y en a la semaine prochaine, sur ce que seront demain la transparence et puis la démocratie de toutes ces intercommunalités, la perception que l'on peut en avoir. Et sur l'Est parisien, on a un organisme qui s'appelle EPA Plaine de France, qui aujourd'hui est interdépartemental, un département dont on ne sait pas ce que les élus font, ce qu'ils y décident, et ce qu'ils décident pour l'avenir de nos concitoyens. Donc on n'a pas de visibilité sur la gouvernance, on n'a pas de visibilité sur la responsabilité. Mais l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a place entre le département et les communes? Vous avez des communes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants en général. Donc c'est des communes qui ont les moyens d'assumer quand même elles-mêmes sans trop de mutualisation. La mutualisation est interdite pour des communes de quelques centaines d'habitants en milieu rural. Chez vous, c'est différent. Ce que vous pouvez mutualiser, c'est les grands équipements. Une voie principale, une ligne de bus, que sais-je, enfin, des choses comme ça. Mais si vous interrogez vos concitoyens, ils auront beaucoup de mal à savoir qui fait quoi. Donc, pour autant, la marge, c'est aussi
poser une question intermédiaire, parce que s'il n'y a pas ma réunion, il sait que la question est posée. Et on a un grand Paris, on s'installe, on a des corps qui vont sur 140 km, reliés à l'est ou l'ouest parisien. On a une gare principalement dans sur Gonesse, dans le Val-d'Oise, 34 km de l'est, qui est en situation de recueillir un complexe de champ, donc un supermarché. C'est-à-dire pour avoir des hectares de distribution, oui, je vous demanderai où tout cela est produit. En plus, voilà. Parce que ces défenseurs de la consommation, des consommateurs, sont vraiment destructeurs de producteurs. Quand on traversait une zone industrielle il y a 20 ou 30 ans, il y avait des usines, des parties de l'eau. Maintenant, il n'y a plus que des centres commerciaux. Tout à l'heure, vous avez allé voir des commerçants, je comprends. Aujourd'hui, ils ne savent pas quel est le plan imaginé par l'État et par les organismes de cette nature et ce que va être leur avenir. À Vol-d'Oiseau. Et là, qui doit l'imaginer ? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est au contraire les collectivités territoriales ? Pour l'instant, moi, je sais que je suis en contact avec le groupe Auchan qui me demande de leur apporter dans une table ronde des interlocuteurs du commerce, mais en fait, ils ne sont pas fédérés. C'est-à-dire qu'Auchan va faire son grand centre de distribution, il va mettre une galerie marchande, il va vendre par cinquantaine de millions d'euros les emplacements qu'il va proposer aux commerçants de la rue de Strasbourg, ou de Strasbourg. Demandez-vous combien un pharmacien doit payer à Auchan ou à Leclerc quand il s'installe dans une galerie marchande ? Non, non, non. Ils vont faire 7%. Et alors, ils vont faire un espace libre et essayer de faire un. Oui, oui. Il y en a deux. Il vous reste un peu de travail. Écoutez, on a écouté. Tout est parti. Ce qui est fabuleux dans le projet qu'on a expliqué, c'est qu'il est à 2 km sans profiter. C'est pour le fun, ça. Je suis allé pour l'instant de campagne, il y a un petit pignon, comme je disais tout à l'heure, quand on soutient tout le monde. Théo disait que c'est l'État qui doit avoir quelque chose. Je disais juste que vous dites, c'est la vie. Si on s'enrichit, on consomme par contre. La logique poussée à l'extrême, en fait, ça ne pouvait pas marcher. Ouais. Ça marche déjà, ça ne semble pas aller à l'extrême. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on consomme plus que ce qu'on produit, puisqu'on s'est collé 70 milliards de déficit commercial l'année dernière. Donc ça ne peut pas durer très longtemps. Il faut produire plus et être compétitif. Et non pas simplement émettre des eurobonds. Depuis qu'il a acheté, il n'a jamais eu ce qu'on dit. Parce que les eurobonds, c'est la mutualisation de la dette. Ça peut être sympa. Évidemment. Et la dette européenne, elle s'ajoute à nos dettes nationales. Merci. On ne veut pas voir. Enfin, on ne veut pas voir. Si, on voit, je crois, mais les médias, les commentateurs, on commence, et même les politiques. Hein. Vous verrez, avec Hollande, avec Sapin, on s'est pris un peu la tête. Tout va aller normalement. Normalement, oui.
Faut-il vraiment nous garder de la main? Non, il n'y a pas de mal. Donc, la seule chose qu'il va faire, c'est de la communication. Beaucoup, ouais. Comme il a fait avant. Normalement, il faudrait que ça tombe. Il y a quand même des preuves de vérité qui arrivent. Si, il va faire la communication à outrance, mais ça, ça marche à mal. Par exemple, il nous explique qu'il veut faire de la croissance. Mais il y a un seul chef d'État au monde qui a pas le faire de la croissance. Bah oui, tous les pays sont... mais combien de temps il tiendra comme ça? Parce que les plans sociaux, là, ce qu'ils aiment, c'est vrai ou c'est... Ah oui, je crois que c'est vrai. Hélas. 45 000, ouais. Hélas. Donc, le nombre de dommages, je ne sais pas ce que ça va faire, mais... L'automobile, c'est pratique. Et tout ça était parfaitement prévisible. Hein. Et bon, on continue. Pour moi, c'est bon. Je vais quand même le payer. Tu sais qu'il va dire combien son... Je vais demander parce qu'il est vraiment... Je vais pas vous dire... la France va devenir le maillon faible de l'Union européenne. De l'Europe. Comment vous appelez-vous? Jacques-Étienne. Jacques-Étienne. Et la Grèce? Vous pensez que ça va venir ou... Ben, les Grecs, c'est aux Grecs de savoir ce qu'ils veulent faire, mais la Grèce, on n'aurait pas dû l'Allemagne à la maison. Elle n'est pas prête. En Grèce, il n'y a pas d'État. Et gouverner la Grèce, c'est être dans une voiture qui n'a pas de volant et pas d'embrayage, quoi. Et un moteur serait défectueux. Et l'ayant admise, on aurait dû la surveiller comme on surveille le lait sur le feu, ce qu'on n'a pas fait, alors qu'il trichait. Mais on était tellement contents devant la métro à Athènes, devant des autoroutes, des stades pour des armes pour... prévenir les agressions turques, on est quand même très complices dans ce truc. En plus, si on les laisse partir, aux yeux du monde entier, on va dire bah, la zone euro, finalement, ça va se défaire comme une pelote d'aide. Donc je pense que ce n'est pas notre intérêt. On a des pertes à prendre, c'est incontestable. Si les banques ont pas les supporter, bah, les banques, elles ont financé un tas d'opérations, elles ont à peu près 40 milliards de créances sur des entreprises. Non public, c'est-à-dire des entreprises, quoi, en Grèce. Et l'État, Banque de France plus État, on a 70 milliards. Mais il y a quelque chose qui pourrait choquer des Corses, il y a des Corses ici, mais la Grèce est à l'Europe, ce qu'est un peu la Corse à la France. Allez voir en Corse ce qui se passe. Ou la chute de l'Italie. Il y a beaucoup de programmes européens qui sont faits pour surveiller les Corses, mais alors, notamment les bétails. Le bétail devrait être beaucoup plus directif sur les programmes européens. Parce qu'il y a des investissements qui n'ont aucune utilité. Et par ailleurs, on leur dit, voilà, si on vous apporte 100 de subventions, vous devez trouver vous-même 100. C'est comme ça qu'ils sont endettés pour dire, on va récupérer toutes les subventions possibles. On aurait dû surveiller l'Espagne, parce que l'Espagne... avait une apparence de croissance en construisant de l'immobilier pour des occupants qui n'existaient pas. C'est des fantômes. On aurait dû... Oui, c'est des habitants fantômes. On aurait dû surveiller l'Irlande parce qu'elle avait un système bancaire qui n'avait pas, une surveillance systémique rigoureuse. Mais ça allait bien. Et ça allait bien parce que les agences de notation ne disaient rien. Les agences de notation croyaient que la zone euro était un État fédéral et que la Banque Centrale Européenne était la réserve fédérale américaine. Ils ont attendu 2009 pour prendre conscience que ce n'était pas vraiment ça. Alors là, ils ont dégradé, et à ce moment-là, tout est parti en vrille. Les chefs d'État se sont réunis dans l'urgence avec des assauts de surenchères, dans des exigences et contraintes et tout, mais il ne s'est rien passé, en fait. Ça faisait partie de la théâtralisation pour rassurer les marchés. Mais les marchés ne sont pas si... sont pas si bêtes que ça. Ils se rendent bien compte que quand un pays veut emprunter, pendant très longtemps, on a cru qu'un pays pouvait emprunter sans limite, parce qu'il est souverain. Mais on voit bien qu'un pays surendetté n'a plus de souveraineté. Sur les financiers. On a quand même encore des produits dérivés qui misent sur la dette et les emprunts. Donc, je veux dire que... Mais nous, il faut qu'on se guérisse de ça, parce que ça fait quand même... Oui, non, mais l'économie virtuelle se poursuit. Enfin, je suis allée à des réunions d'asset manager encore récemment, et voilà, on mise sur l'endettement de tel pays. Ah, le Portugal, lui, encore, il a encore une économie saine. Telle banque en Italie,
il y a de quoi encore espérer. Enfin, je veux dire, il y a quand même des fonds d'investissement qui se construisent sur des bases qui ne sont pas saines. Donc, et on laisse... Il y a tellement de liquidités en circulation. Le fait que les Américains qui ont fait fonctionner la planche à billets massivement. Le jour où on a renoncé à l'étalon or, on a amorcé un processus qu'on a les pires difficultés à contrôler. Au moins, la convertibilité de la monnaie faisait qu'à un moment, il y avait l'épreuve de vérité. Là, il n'y a aucune limite. Là, il n'y a pas de limite et il n'y a pas d'autorité pour réguler. Et quant à l'Union européenne, je me souviens durant la phase de construction qu'on avait le programme phare, qui s'appelait phare, non code phare, au sein de la Commission européenne, et qui donc échelonnait toutes les entrées et les investissements qu'on allait organiser pour aider les pays qui allaient rentrer dans l'UE. Donc notamment tous les pays de l'Est comme la Bulgarie, la Roumanie, enfin des trucs, en 1995 déjà. On amorçait déjà l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. En 2007, tout ça a été bien vite. Tout était complètement. C'est une pure folie. Et on est passé à l'euro. Moi, je l'ai vécu de près parce que j'étais ministre à ce moment-là. C'était un défi que de faire une monnaie unique alors qu'on n'avait pas d'État. Et pas de gouvernance non plus. On a fait Schengen. Les États faisaient partie d'un espace contrôle d'immigration. Et les Grecs en faisaient partie. Quand les Grecs n'étaient pas contents, ils ouvraient la frontière. L'Europe aurait dû réagir. Aurait dû pouvoir dire stop, on met les Grecs hors jeu à ce moment-là. Mais pas du tout. Au nom de la souveraineté des États, on a laissé faire. Et Malte, c'est pas mal aussi. Alors eux, grâce à l'Union européenne, ils se font financer leurs infrastructures qu'ils n'ont pas entretenues et qui... alors qu'ils étaient un véritable paradis fiscal pendant des années. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas gouvernée. Ah, la Commission européenne aurait dû, dès la mise en circulation de l'euro, elle aurait dû être l'agence de notation des États membres de la zone euro et envoyer des cartons jaunes ou des cartons rouges pour ceux qui transgressaient les principes. Mais souvenez-vous, en 2003-2004, en France, on disait, mais au fond, est-ce que les dépenses de défense nationale font partie de la dépense publique dans le calcul du 3%. Et Jacques Chirac lui-même disait, est-ce que les dépenses de recherche-développement font partie de la dépense publique? C'était la transgression intégrale. La Commission n'a pas assumé ses responsabilités. Les Grecs, avant d'être dans l'euro, ils empruntaient à 14 ou 15%. Ils passent à l'euro, ils empruntent pratiquement même taux que les Allemands. Et donc c'était une espèce d'euphorie complète. Du jour au lendemain, vous voyez vos taux d'intérêt divisés par 3 ou 4. Donc ils ont augmenté les salaires, ils ont fait un tas de trucs. Ceci étant, on a quand même, au niveau européen aussi, laissé faire quelques législations telles que la législation luxembourgeoise, irlandaise. Enfin, je veux dire que là aussi, on a été d'un laxisme sur des pays qui étaient quand même là depuis... Et mieux que ça, c'est qu'on a mis, la zone euro sous gouvernance de Jean-Claude Juncker, qui est un type adorable, le Premier ministre et ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg. Est-ce qu'il n'est pas en conflit d'intérêt avec une politique fiscale et financière cohérente? Il nous fait les poches tous les jours avec, sur les livres, sur un tas de. Tout ce qui est l'économie immatérielle. Amazon est de Luxembourg. Bien sûr, parce que la TVA est à 15%. Dès qu'on veut déréguler, on va au Luxembourg. Avant, on allait en Irlande. La TVA est à 15% et par dérogation, le produit de la TVA reste acquis au Luxembourg, alors même que les clients sont en France ou en Allemagne. Et comme le taux est à 15%, tous les groupes américains, Amazon, eBay, sont au Luxembourg. Eh bien, j'estime que Jean-Claude Juncker nous fait les poches. Ils ont leur politique très agressive pour attirer. Il y a aussi sur la TVA sur le livre numérique. Ah, c'est pareil, ça. Sur les numériques, ils ont trouvé des combines pour avoir des taux dérisoires. Alors chez nous, on dit mais non, c'est pas du livre numérique, c'est de la prestation. Le fichier numérique. Et comme c'est de la prestation, c'est 19,6. Ce qui est un peu couillon, quoi, parce que là, vous avez vous organisez une concurrence déloyale. Et il faudrait qu'on ait un trésor européen, une sorte de ministère de l'économie et des finances européens.
Madame Ashton, qui est ministre des Affaires étrangères européennes, a 2500 collaborateurs. Alors qu'il n'y a pas de politique extérieure européenne. Pour la politique économique et financière, le responsable du secrétariat, c'est le directeur du Trésor luxembourgeois. Alors qu'on devrait mettre en commun les meilleurs de nos fonctionnaires de Bercy et de l'administration allemande et des pays. Et puis, on devrait consolider tous ces... Nos comptes publics ne sont même pas tenus de la même façon. Alors nous sommes dans la zone euro. Il devrait y avoir une consolidation et on se rendrait compte que nos comptes nationaux sont 50 fois plus importants que le budget européen. Le budget européen, c'est peanuts, c'est 1% du PIB. Bien sûr, ça ne se fait pas. Et il n'y a pas de gouvernance. Alors moi, je plaide pour que les parlements nationaux contrôlent la gouvernance de la zone euro. Parce que quand il y a un pépin dans la zone euro, ce n'est pas le budget européen qui participe au financement. Ce sont les États membres. Souvenez-vous, lorsque fin mars, on a annoncé que, bonne nouvelle, le déficit public français était inférieur à ce qu'on imaginait. 5,2 seulement, quand même 103 milliards, mais 5,2 alors qu'on attendait au début de l'année 6%. Mais, paradoxe, la dette publique française est plus importante que prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2011, on a mis la main à la poche pour prêter 12 milliards aux Grecs et 7 milliards pour constituer le Fonds européen de stabilité financière dont avaient besoin l'Irlande et le Portugal. Et quand la France prête aux Grecs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprunte, puisqu'on est en déficit. Et quand la France constitue le fonds de stabilité financière, elle emprunte pour mettre dans le pot commun. Alors après, imaginez des eurobonds, alors même qu'il n'y a pas de gouvernance spécifique de la zone euro, c'est vraiment mettre la charrue dans les bœufs. Hein.